Avec Hamid. Oui, et moi bah j'ai moi pas aussi, un gros. moi aussi j'ai fait un gros casse. Mais quel gros casse, Roya, t'as volé un vélo, qu'est-ce que tu me racontes? Bah oui, le vélo d'une fille en primaire. Ah, on était 12 aussi, hein. Faut Ah, oublier en ça. plus, ah, la fierté, on était 12, bah Bah super. bien sûr. Eh, Attends, j'étais jeune. attends, quoi, vous étiez 12 pour voler le vélo d'une fille en primaire, Ouais. c'est ça ton casse? Ouais, 10 meufs et non, 10 mecs et Attends, 2 et meufs. tu fais le voyou avec moi depuis 3 semaines? Bah, on parlera de ça plus tard, c'est pas grave. Ok, ça marche. Oh, du coup, Audi, on est là par rapport au nom prénom de Suisse des Pics du Corbeau. Et par contre, Pardon. Audi, si tu me dis que c'était toi le corbeau, là, ça va pas le faire. Ouais. Écoute. Le corbeau, c'est ni plus ni moins 15, que elle est bien celle-là. Walker Sullivan. C'est qui ça? Ouais, on t'expliquera tout ça, c'est une longue histoire. Attends, Walker de Walker, Roland? Il le connaît déjà. Je le connais, Walker? Ben oui, il m'a tapé une fois. C'est bâtard. Ah ouais, bah c'est lui, bah c'est lui, c'est lui. C'est avec des longs cheveux, rouflaquettes. Ouais, raciste. Attends, mais ouais. Et en fait, il vous a mandaté par rapport à Tony pour avoir quoi comme information? En fait, je t'explique. Au début, il s'est présenté comme raciste, étant hein. le corbeau, donc je savais pas qui c'était. Et il s'est avéré que dans la police, il y en a beaucoup qui parlent, trop même, beaucoup trop. Et j'ai ouais. eu l'information que Walker avait été arrêté par le FIB pour parce qu'il était pourri. C'était un ripou. Là, on a plein d'infos là. Donc suite à ça, bah, il m'a dévoilé que c'était lui le corbeau et en gros il nous a demandé de t'arracher, de te mettre un petit coup de pression parce que toi ah, et Mathieu enquêtaient sur lui. Ah d'accord, ah, c'est comme ça. Entre mais, frères à pro, mais j'ai juré que avec... ce Sully il est trop bête. Et parce là, que les gars, je vais vous dire, ouais. il vous a mandaté pour avoir des informations alors qu'en gros nous on a monté en fait un dossier contre lui pour le faire ça, tomber ce fils des putes. Mais je pense qu'il était au courant, c'est pour ça qu'il m'a demandé, c'est pour ça qu'il nous a demandé. Mais il est trop vous bête. Arrêtiez. En fait, il voulait juste certifier mais les choses. Mais il est trop bête parce qu'on lui a expliqué en fait c'est passé, de A vrai. À Z que ça le dossier passé, était déjà sous la main du procureur. Ça veut dire même s'il nous tape ou quoi, on n'avait plus qu'à balancer le dossier. Il est trop bête. Écoute, après les flics, hein, tu me diras. Bah après, maintenant où il est. ouais. Bah, après, parce qu'à ce qui paraît, il serait mort. C'est ça le raciste. Ouais. Ouais, le raciste apparemment il a fusillé le. Je vous explique. J'ai rencontré l'avocat qui l'a protégé pendant l'audience là. Et il paraîtrait qu'il aurait tiré sur le procureur. Et tous les agents l'ont fumé. Ils lui ont pété sa mère. Ok. Et Walker il a fait ça. C'est Walker qui a fait ça. Et ouais. Il a pété un câble. Donc là on vient de payer pour un mort. Tranquille, non, tranquille. Vous nous avez niqué un peu là, non? Y'en a, ils savaient pas. Carrément pas, non? Bah, si, c'est ça. Ils savaient pas qu'il était mort. Ah. Ouais. Bon, pour moi, il était en prison. Moi, je savais qu'il était mort. Hein? De quoi? Pour moi, il était en prison. Bah, yo, il s'est fait arrêter par le FIB. Pour moi, il est en prison. Tu fais ça où? Attends, Oji, j'ai une question. Tu m'avais dit que tu connaissais l'oncle à Mathieu? Il nous a niqué, non? On l'a rencontré en prison. Oui, wallah! Non, attends, c'est pas possible. On l'a croisé en tôle. Ouais, on l'a croisé en tôle. Alors, il envoie du lourd. Ouais, il envoie du lourd. Il se présente comme étant le plus grand innocent de la Terre. Eh ouais. Ouais, bah, normalement, c'est le Santos, mais il a peur. Ouais, ouais. Et on est d'accord, il est innocent. Je sais pas, j'ai pas eu trop l'occasion. Il y a que des innocents en prison. Il est passé quand on était au parloir. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a que des innocents en prison. Il s'est présenté, il a dit qu'il s'appelait Pablito Janez, que c'était le plus grand innocent de je sais pas quoi, et que la prison lui appartenait, et que je sais pas quoi, que. Enfin voilà, il en a imposé un peu. Une petite embrouille avec des rivaux. Ah, oh, mais c'était pas vous la messe bancaire, non? En hélicoptère, on a vu le tir. Avec les jaunes Ils vous ont défoncé. Ouais, non, on l'a vu. Ouais. Vous avez perdu le match. Aïe. Les gars, est-ce que tu t'étonnais? Tony. Quoi? Je viens de te dire quoi là, il y a 5 minutes. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais une machette sous ta jugulaire là. C'est moi, je respecte. Rendez victime et je mets menace à exécution. Mais les gars, la prochaine fois que quelqu'un vous mandate pour nous soulever, nous. Venez nous en parler. On a plus d'argent. En fait, je t'explique. J'avais pas. Il m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, venez à cette position-là et mettez un coup de pression à un gars. Je savais pas que c'était toi. En fait, c'est quand on est rentré dans le bâtiment que j'ai reconnu ton palmito là sur la tête et ton costard. Et tu t'es tourné vers moi et je me suis dit merde. Les mecs, vous étiez douze face à une personne. Pourquoi les gars, vous m'avez pas braqué? Mais braquez-le lui. Moi, j'avais juste une question, genre, mais ce mec-là, il vous a payé qu'après ou avant? Non, il nous a payé après.
Mais attends, mais ça aurait pu être un canular. Mais ça veut dire que vous auriez pu le niquer, après, en fait. Après, tu sais, les gens, ça se retrouve vite, même sous identité cachée. Ouais, mais si, oh, par exemple, tu m'aurais reconnu, pourquoi tu l'as pas braqué, lui? Écoute, écoute, moi j'ai été payé pour un truc, c'est très simple, on a un code d'honneur. À partir du moment où je dis oui à quelque chose, c'est oui, peu importe la cible. Comme ça, je fonctionne à l'oseille. Si j'avais su que ce serait toi, j'aurais déjà... Franchement, je t'aurais pas fait de... Où il a un truc bizarre, ouais, c'est bizarre, ça va mon gars. On lui a mis quelques coups. Ça là, les bleus là, gars, je suis un afro de base. Tu vois pas les bleus que j'ai là? Tu vois pas là? Les mecs. Ah, vous êtes des hackers. Les mecs, va, à 12 contre 1, les mecs, quand même. Il a frôlé l'électrocution, donc ça va. Il était pas à 12 contre 1. Non, mais façon de parler. Et Mathieu, si demain tu m'appelles et tu me dis Keiji, j'ai besoin de toi, soulève ce type là, je te l'ai dit, Oji, je t'en voulais pas parce que nous aussi on l'a fait. On a déjà soulevé des gens pour de l'argent, donc c'est pour ça que je t'en voulais pas, tu vois. Ouais, mais les gens les connaissaient, c'était pas des corbeaux. Wesh. Quoi? Pas pareil. Bah nous les gens le connaissaient, les gens qui des SMS anonymes. Ouais, mais toi t'es patron du Bamama, c'est Tony, il est patron du S-Event. Moi je vis dans un quartier qui pue la pisse à longueur de journée et je me crève le cul et t'arrêtes de te plaindre, 100% t'es plus riche que nous, tu blanchis des millions, tu sais rien. Tu le plains beaucoup quand même. Ouais, mais c'est redistribué dans le quartier. Demande à Nganou, il était où à ton âge? Ouais, le pauvre. Tu le plains beaucoup. Tu connais Nganou ou pas? Il était encore au Cameroun. C'est au Cameroun. Ouais, voilà. Je tape des gens pour vivre. Je vais niquer ta mère. Hein. Je tape des gens pour vivre. Voilà, vous tapez des gens pour vivre, vous? Ouais. C'est un peu les Nganou de Los Santos, hein, j'ai envie de dire. Ils vont bien, ils vont bien taper. Vas-y. En ce moment, ça se passe comment le business? Eh, on a croisé les Vagos. Eh, tu leur as pas dit, Tony, sur les Vagos? Oh, la dinguerie. Oh la dinguerie. Franchement, j'ai mis un casque sur mes oreilles, hein, tellement c'était sale. Vraiment, ils nous ont reparlé de la guerre d'armes que vous avez eue avec eux quand vous avez tiré. Ils nous disent tous les soirs, on est sur le terrain pour les défendre. Et les familistes, franchement, non, vraiment. Ils ont dit qu'ils sont éclatés au sol. Ils ont pas dit éclatés au sol, mais ils ont des termes équivalents. Moi, ce que je vois, les mecs, c'est que oui, ça parle beaucoup, mais en attendant, le gang qui a le plus de terrain, c'est WAM. Voilà. Et bah, tu sais quoi, c'est vous les plus dangereux dans cette ville-là. Je dirais pas les plus dangereux, mais il faut faire les gaffe. Les plus gourmands. Les plus organisés. Les plus intelligents. Oji, t'as des couilles? Carrément. Non, ça, j'ai des couilles. T'as des couilles? Est-ce que t'es chaud de jouer ton terrain dans un putain de brawl, un truc dans le genre? Mais vraiment. Ah, mais ils aiment pas brawl, ils préfèrent tirer. Ils préfèrent, je te le dis. Mazebank, on devait s'attraper. Il m'a sorti une excuse toute pétée, ça m'a gonflé. Et c'est pas un terrain auquel je tenais, donc. J'y suis allé pour défendre quand même mes terres, tu vois. Mais ils tapent pour un terrain, les mecs. En plus, dans pas longtemps, j'ai. C'est ça, les gars. Je jouez pas vos terrains sur un terrain de tennis, ce serait bien. Un terrain de tennis. Ouais. On est quoi, nous? Ça fait des gunfights pour des terrains. Nganou, il va juste se sentir sur un terrain de golf. T'es con ou quoi, fils des putes, va? Arrête moi sur le con, toi, connard, va. Il est con. Mais non, mais. Ton truc, là, ça en est où, là? De quoi? Ton UFC, là. Après le paintball. Okay. Bah, c'est bientôt fini. Ouais. Bon, vas-y les gars, on vous retient pas plus longtemps. On a rendez-vous pour un sans-papier, on vous dira pas qui. Ok. Et puis voilà, on se tient au jus. Hein. Merci en tout cas pour les infos, c'est cool. Y'a pas de soucis. Pourquoi tu m'as montré des dents? Non, c'est le vent. Le vent là-bas. Ah, ok. Et Tony, je le répète, si t'as besoin de que je soulève quelqu'un et que derrière tu mets un chèque, tu m'appelles. C'est combien le tarot? Vas-y, ça va, Ping-Ping. Ouais, ça vient de me réveiller, là, c'était fatigué. Tu viens de te réveiller. Vas-y, Familiz. Mais attends, Mathieu, Ping-Ping, Ping-Ping, tu devais pas récupérer 2000$ de méthamphétamine. De mon téléphone. Pas téléphone, oui. Dis des livres. Attends, Ping-Ping, viens, on se voit, Théo, envoie ta pause. Ouais, il est où? Attends. Je t'entends plus, Mouloud. J'ai dit, envoie ta pause. Envoie ma position, c'est... Oui, t'as qu'à la position. Vas-y, attends, il se fout de ma gueule. Tout à l'heure, tu nous as dit... Sur le chemin de la rédemption. Bah ouais, c'est ce que je vais te goumer, là. Les gars, je suis sur le chemin de la rédemption. Non. Les gars, écoutez-moi. Là, t'es sur le chemin de l'incarcération, non. Non, je suis pas. Non, bah justement, c'est ça que toi tu crois. Ah. C'est bon ou pas?
Toi, ouais, tu ouais. crois que c'est ça, que c'est ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, le ping-ping... Regarde, moi, je viens d'arriver en ville, on est d'accord. Ping-ping a des informations comme never. On est d'accord. Il est où, là? Et là, il va m'envoyer une pause. Et en fait, ping-ping, il allait acheter 2000 de méthamphétamine à un mec qui s'appelle Dungan. 2000? Moi, je voulais voir le Dungan, il ressemble à quoi? Dungan. Je connais pas, moi, après. Je... Oh, yeah, c'est un... Joe Dugan, et c'est un mec qui dit Lucky Luke, au lieu de dire Lucky Luke. Lucky Luke. Oui, bah c'est lui qui fournit la drogue. On a dormi chez eux quand on était en cavale. Ouais. Incroyable. C'est bon, regarde le GPS. Je t'ai mis sur le GPS, l'adresse. Kefta, c'était une longue histoire avec Sully, on vient enfin de... Ah ouais, s'en débarrasser. D'être débarrassé. Avec Walker? C'était quoi? C'était qui, Walker? Ah, incroyable, lieutenant de la DOA. On l'avait sur le cul, ce fils de pute. Il voulait me faire tomber. Un lieutenant de la DOA? Ouais. Et on l'a brûlé le cul, on l'a tiré sur fais rien de bizarre, ça? Regarde, pas moi, mon oncle. En gros, moi, j'ai un oncle qui est en prison. Pablito Fernandez. Ouais. Et lui, il est innocent, tu vois, bon. Il a un bon cœur, un labo de drogue prison, et tout. En prison, il est innocent, je crois pas trop, regarde. Si, mais regarde, parce qu'il est tombé parce que c'est un mec qui connaissait un mec que lui-même connaissait. Donc, par affiliation, par alliance, il est parti en prison. Mais vraiment par alliance. Ça me rappelle un ami à moi, il s'appelle Amir, et il a toujours dit qu'il a rien fait. À la fin, il est allé en prison. Oui. Ouais, mais ça, c'est Amir. Déjà, Amir, tu sais qu'ils vont aller en prison, même si t'as rien fait. Ouais, bah, oui. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et en gros, il m'a fait toucher une arme. Une arme qui a servi dans un meurtre pour me faire chanter et m'obliger à continuer de travailler pour lui. Me ramener des informations. En gros, il voulait que je sois sa Pookie. Mais moi, je veux pas être ta Pookie, fils de pute. Donc, il a essayé de me faire tomber par rapport à ça. Et moi aussi, j'ai monté. Du coup, j'ai mis plein de mouchards sur moi et tout. Dès qu'on avait des rendez-vous, j'ai appelé sur Rec. Rac. J'ai monté un dossier béton contre lui. Ouais. Et ouais. Et j'ai envoyé ça au procureur. Et ils l'ont arrêté. Et hop, chez électrique. Mais attends, y'a Angela qui m'envoie, on est motivé à fond. Il est là, viens. C'est qui Angela? C'est les Smiths. Angela, t'étais pas pour moi. Ping Ping. Salut Ping Ping, ça va? Ouais, ça va. Salut Ping Ping, viens voir Ping Ping, viens voir. Regarde, elle s'est changée, déjà, regarde, elle s'est rhabillée déjà. C'est qui elle? Mais ta future femme. Ah, c'est ta future femme. C'est ça? Elle s'est rhabillée, t'as vu? Ça fonctionne. Ah, c'est la meuf de tout à l'heure. Mais oui. Ah ouais, attends. Ça va Ping Ping? Ouais, ça va. Ping Ping. Tu vas au rendez-vous là pour le mec ou pas? Non, parce que du coup, il est trop tard là. Mais c'est parce que. Mais c'est quoi Ping Ping? Pourquoi tu te lèves sur site toi aussi, espèce de chômeur, va? Mais je travaille plus au Bahamas, donc je peux pas faire grand-chose. Ah oui, il m'a viré, Tony. Apparemment, Tony l'a viré parce qu'il lui a demandé s'il avait une meuf. Ouais, se lui demander s'il il va te rembaucher, Dis-moi, Ping Ping. Ah, c'est trop cool. Ping Ping, ouais. Je suis sur l'enquête hein, du mec pour les 15 000, t'es au courant ou pas? Ton badge. Les 15 000? Oui. Quel 15 000? Eh, hey, Ping Ping, toi, t'es un homme qui tient pas parole. Je t'ai passé ton badge, hein, Ping Ping. Alors, annota. Attends, c'est pas compris, là. Sache que je note tout. Annota, trouver le balas pour Ping Ping parce qu'il lui a volé sa meuf. C'est oui. Toi, on est d'accord. Payer 15 000, oui. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais il se montre plus, il se cache là. Je sais pas à ce que là. C'est dans le trouver un gars. C'est quoi cette histoire là de. Salut. Ouais. Bonsoir. Salut. Quoi cette histoire de méthamphétamine? Oh Attends. Faut que je me rappelle ton nom, le gars de cet événement. Vas-y, bah dis-moi. Allez, Tony. Ouais, fais un événement, pas repitcher. Un samedi, paintball encore ou un truc comme ça. Samedi, regarde sur l'application, tu verras. Samedi, ouvre ton application. Le temps que tu jettes ta béquille. Bah oui, ouvre ton application. Bah normalement, je l'enlève demain. Soigno, vas-y. Ah bah vas-y, bah nickel. Vas-y, Soigno, force à toi. Vas-y, Soigno. Vas-y, il va faire un événement de pyjama ou quoi, lui? Je sais pas, il raconte sa vie avec leur voiture de merde demain. Oh là là, raciste. Ah mon dieu. Il a dit raciste. Ouais, il a dit, c'est pas comme... Pourquoi il a dit ça? Vas-y, Ping Ping, vas-y, c'est quoi le délire, vas-y. Ouais, bah en fait, du coup, je disais, il faut que j'achète de la méthamphétamine pour faire beaucoup d'argent. Et Ping Ping, je savais pas que t'étais un camé, toi. Les gars, poussez-vous. Ah, moi, j'aime bien, moi, c'est ce que je fais. Ping Ping, Ping Ping. Ouais. Les gars, voilà, j'ai connu Ping Ping et sache qu'il peut nous avoir des trucs que vous soupçonnez même pas. Comment ça? Dans son coffre, il a une. Je peux le dire, hein, ça c'est pas grave. Ouais, et il a une arme et il a des méthamphétamines. Discret. Attends, rapproche. Et il a une arme, il a des méthamphétamines
Il a tout ce qu'on peut avoir dans cette ville. Les gars, t'es quoi, c'est une dinguerie. C'est une triade ou quoi, toi? Non, mais c'est... Ping, ils me croivent pas, viens, va chez toi, tu leur montres directement. Si, on vous croit, on vous croit, mais c'est pas ça le souci, mais pourquoi faire? Je t'ai connu, Ping, t'étais coiffeur, t'avais une paire de ciseaux, pourquoi t'es armé, pourquoi tu fais de la mette? C'est parce que c'est pas financé, parce que du coup c'est en déficit, mon compte en banque. Il a moins 45 000 $ dans son compte. Ah ouais, je l'ai viré. Mais c'est pas avec la drogue que tu vas être au positif? Mais si, justement, vu que c'est l'avant. Après, je vais pouvoir mettre tout ça sur mon compte en banque. Et tu vas expliquer ça comment à ton banquier? Vas-y, on t'écoute. Tenez, messieurs, vous encaissez un chèque de 50 000 $? Oui, bien volontiers, évidemment. C'est même pas un chèque. C'est le déret, j'ai trouvé par terre le billet. Ouais, ping. Un gros billet de 50 000. Ping, faut revoir ta défense, hein, c'est pas faux là. Là, tu fais finir sur la chaise électrique, hein. Ah non, moi ça veut pas, c'est électrique. T'es chrétien, ping? Ah non, je suis bientôt. Pourquoi t'as une croix? C'est parce qu'elle est stellée. Ah, fais pas ça. Il y a rien à voir avec la religion, c'est juste parce que c'est stellé. Oh là là, attends. Bravo, ping. Oh, j'aurais dit. T'es de quelle religion, toi, ping? Moi, je prie pas, moi. C'est prudent, c'est quoi prudent? Tu crois? Non, je religionne pas, moi. Tu crois pas en Dieu? Ils ont nous braqué. Non, les gars, vous avez vu passer une astéro blanche, s'il vous plaît, ou pas? Ouais, elle est partie par là, tout droit. Où? Sérieux? Ouais, pour demain. Moi j'ai rien vu, j'ai rien vu. Par là, là, tout droit, elle vient juste de passer. Moi j'avais le dos tourné, les gars. Viens, je vais le canarder, je vais le chemiser. Il faut pull up quelqu'un? Faut pull up, je vais l'allumer. Vas-y, viens, Mathieu. Rigole. Attends, mais c'est Kika? Mais oui, c'est moi. Kika, le braqueur. Zerma, je le connais. Il faut y aller, wesh. Vas-y, va les soulever. Ça nous a pété une voiture, vas-y, bisous. Vas-y. Wesh, vas-y, bisous, il est énorme, il dit bisous. Zerma, c'est un voyou. Ouais. Oh là. Il embrasse son Beretta avant de tirer, lui. Zerma, il a dit vas-y, bisous. Zerma, il fait peur. Et ping, du coup, tu crois en quoi, toi? Je crois en. Me dis pas que je crois à mon salaire à la fin du mois, c'est bon. Non. T'es pas bouddhiste? Un mec, tu crois en quoi? Non, moi, je boude pas, moi. T'es autiste? Les Bouddhas. C'est qui? T'es autiste, t'es quoi? T'es bouddhiste, j'ai pas entendu. Non, moi je crois en le... Le pouvoir de l'argent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, c'est tout. T'es matérialiste. Ah non, moi je crois en tout. Voilà. Mais si tu crois en tout, tu crois en rien, ping. Si, je crois en tout. Mais oui, mais tu crois en rien, ça veut dire. Mais non. Moi je crois en tous les dieux. Bisous le voyou. Tout pas un, mais les voyous ils fument. Vas-y, bisous. Ouais, d'accord. Et mais c'est qui ton dieu préféré, genre? Mon dieu préféré, c'est Aquaman. Aquaman? T'as la carte et tout, genre? Ouais, c'est le dieu de l'eau. Ah oui, mais sauf que l'eau, toi, tu la bois pas, Roya. Toi, tu fais de la mettre et tu la vends, toi. Le dieu de l'eau, c'est pas Aquaman. Quoi? Mais ça vend pas de l'eau? Bah oui, je sais, c'est bien ça le problème. Roya, tu peux appeler Dengan là pour qu'on le voit là, comme ça déjà. Lui, il veut que son argent, lui. Mais j'ai essayé de l'appeler, mais parce qu'il a essayé de me téléphoner, du coup, parce que le pauvre, c'est l'aimé pour plein. Oui. Et il m'a pas répondu. Merde. Mais à ce temps-ci, oui, c'est ça, le business, il commence vers 20h. Attends, mais Mouloud. Oui. Quand t'es arrivé ici en ville, je t'ai pas dit pas de bêtises et tout. J'ai dit que de l'argent. Est-ce qu'on a fait des bêtises? Ouais, attends, mais tu parles de méthamphétamine. On a vendu de la coque. Mais c'est lui, il m'a montré. C'est lui. Attends. Avant, la première fois que je t'ai vu, c'était quand? C'était avant-hier. Ouais. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, Tony, je te jure, je vais me ranger, je vais faire les choses bien. Même pas deux jours, ça me parle de méthamphétamine. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, les gars, j'ai mon explication. Vous voyez les marabonta, Miklo et tout? Ouais. Mais vraiment, ils sont venus me voir. T'étais là au rendez-vous, on est d'accord? Ouais, c'était des gangsters. Ils m'ont dit, écoute, on va te payer grave de l'argent. Tu nous donnes des informations sur les autres groupes. Où sont les laboratoires, les CG? J'ai dit, mais regarde, je sais même pas de quoi c'est les marins qui ont dit ça? Ouais, les marins. D'ailleurs, on va les voir là. On va les voir aux Aztecas aussi. Vas-y, ping, viens, regarde. Les Aztecas, ils sont morts. Non. Quoi? Mais non, il y a un nouveau lead. Ah. Eh ouais. Il y a quoi? Il y a un nouveau lead. Ah bah c'est possible. Ouais, cool. Lidl, il y a un nouveau Lidl. C'est pas les dire bonjour. Même pas plus. Et du coup? Attends, c'est Juan ça, non? Ouais, c'est Juan. Allô? Mais lui, tout le temps, il nous croise, lui, c'est amusé, lui. Ouais, allô? Enfin, l'accident, il est dans la voiture. Oula, j'ai appelé le...
Mais Ping Ping, toi, t'as des amis ou tu travailles solo? Mais en fait, parfois, c'est l'impression d'être seul. Mais non, mais Skin, il m'a expliqué, il m'a dit quoi? J'avais du monde avec moi, mais ils m'ont tous laissé pour jouer à League of Legends. Non, oh non, ça ouais, c'est un des personnes. Non, c'est le bug. Tu m'as. Eh, Roya, hier il était tellement en dépression, il m'a ramené voir une dame blanche dans les montagnes du Mont Chiliad. Ouais, ça wow. C'est incroyable. Et Pimpi, dans la rue, vous vous appelez comment? Moi, on m'appelle Ping Ping. Non, mais toi et tes potes. Ah, moi et mes potes, c'est le rose. Le rose, on veut être rose. Et mais wesh, Ping Ping, ouais. Tu passes de Ping Ping à Ping Ping. T'es sérieux là? Non, mais non, c'est pas vrai. Mais de toute façon, je trouve que ça commence à partir. Donc, le gang des roses. Non. Bah, t'es un gang. Bah, vous êtes un gang, non? Moi, c'est un gang des roses. Mais c'est jamais fait. Ping Ping, vous êtes un gang, non? Mais c'est pas un gang. Mais moi, c'est pas un gangster, moi. Mais non, mais un gang, c'est un rassemblement de personnes qui vendent de la drogue. Donc, c'est ça? Ah, alors, oui, on a... Je la connaissais pas, cette définition. Oh mon gang. Dieu. Ah, oui. C'est un gangsta, là. T'as la définition, ouais, non, ça veut plus. T'es le leader des gangs des roses. Je démissionne, alors. Comment ça, tu démissionnes, wesh? Pourquoi tu démissionnes? Tu laisses tes amis? Tiens, je te rends ton badge, hop, tu restes. Ah ouais, non, ça reste. Ouais, c'est voilà. Du coup... Go, ouais, on va voir les Aztecas. Allez, ouais. Allez, c'est parti. Allez voir les Aztecas Attends, Mathieu, t'as ton service Bahamas? Ouais. Rembauche-le, je l'avais viré. J'ai déjà fait. C'est bon. Ah ouais? Oui, je t'ai passé ton badge tout à l'heure. Ah merci beaucoup. Bah du coup, Ping Ping, tu vas ouvrir le bar, on va voir combien tu vas ramener. Mais ferme ta gueule, toi, t'es... ça va être ton chef. Je suis DJ, moi. Non, je vais le mettre chef, c'est le mec qui travaille le plus. Attends, mais Kufta, là, j'ai pas mal compris. Du coup, Kufta. Qu'est-ce que tu veux concrètement? On a rendez-vous avec le gouverneur ou je sais pas quoi. Mais on a rendez-vous avec les Marabunta aussi, ils devaient me passer un billet. Il y a Marabunta, Aztecas et... ah ouais, c'est moitié halal, moitié pas halal du tout. Il y a aussi la police qui va voir. Pourquoi la police? Ah ouais, c'est... Ah, pour ses papiers, c'est un immigré. Mais du coup, Kufta, toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire 10 salles? Tu veux te marier? Je comprends rien. Moi, Roya, tu sais très bien que j'ai une grosse dette. Il faut que je la rembourse, ouais. Cette putain de dette. Et il faut que je trouve un moyen absolument de rembourser cette dette. Mais fais des films porno, t'as la carrure. Tu penses? Bien sûr, oui, bah il y a un cinéma en plus. Bah ouais, je l'ai déjà fait voir. J'ai vu le Roi Lion, il était incroyable. Ouais. Je te parle des films, des trucs pas bien, tu me parles du Roi Lion. Mais Roya, il m'en parle du cinéma, il m'a montré le cinéma, c'est ce que je suis en train de te dire. On a mis le Roi Lion de plus de 18 ans. Non mais à part les films porno, il y a quoi d'autre? pour vous? Le Roi Lion se devient le Roi Fillon, croyant. Ah. Deux. C'est grave. Et à part les films porno, Y a quoi? Y a les flics. Non. Moi, j'ai jamais fait. Personnellement, ça m'intéresse pas. Il y a la vente du droga. Non, la vente de droga, c'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Deviens flic au pire. Ça gagne bien. Flic! Au tueur à gage avec un sniper. Je sors de prison, j'ai tué des gens en prison, flic. Bah, t'as qu'à être... Ouais, pompier volontaire. Non mais flic. Venez, on fait pompier volontaire. Vas-y. Pompier volontaire. Pompier volontaire, ouais. Faut un casier pour ça, non? Ouais, bah un casier pour mettre tes affaires dedans, c'est tout. T'appelles le chef ou je l'appelle? Quel chef? Attends, j'appelle, je vais le chiffre, attends, je l'appelle. Le chef des quoi? Le fire chief. Le fire chief. C'est quel fire chief? Bonsoir. Comment allez-vous? Attends, mais vous foutez pas de ma gueule en plus? Bonsoir. Non, je t'ai dit. Vous m'entendez, messieurs? J'ai dit, on fait pas de salle, nous. Ok, super. Écoutez, je m'appelle Mathieu Khané, je suis actuellement au Bahamas. Donc je vais rembourser 400 000 dollars avec des fire chiefs. Je suis actuellement avec 3 000... Et des chats à sauver. Ping Ping, t'es chaud toi ou pas? Ouais, c'est ça, moi. En fait, on aimerait être pompier volontaire bénévole, si possible. Moi, c'est un casier judiciaire. Pompier volontaire, on veut être pompier volontaire, réserviste. On est volontaire, voilà. On est... Ça paye pompier? C'est totalement possible. Ouais, je pense. Ouais. Si après, si c'est volontaire, c'est bénévole, je crois. Attends, mais comment... bénévole, tu gagnes pas d'argent, bénévole? Bah si, parce que dans bénévole, il y a vol. Tu voles. Ah oui, putain, je suis con. Eh ouais. Bah écoutez, vous notez mon numéro et quand ce sera disponible, vous m'appelez, d'accord? Retenez bien, c'est facile. Hein. 601-663. 601-663. Ah oui, c'est possible. Bah oui, c'est Bahamas. Vous êtes venu deux fois pour un feu. Ah oui. Voilà.
quoi, le Bahamas, ah c'est bon la brûlée deux fois. Eh ben écoutez, rappelez-moi dès qu'il y a haut gradé, comme ça, hop, on passe les papiers pompiers volontaires, d'accord. Allez, merci beaucoup, au revoir. Il y a Murphy également. Si, si, les gars, dès qu'il y a haut gradé, c'est bon, c'est dans la poche, on est pompiers. Mais non, l'uniforme, les meufs, elles vont. Mais Roya, c'est comme ça que tu vas rencontrer ta femme. L'uniforme. Tu penses? Mais l'uniforme, Roya. Attends, mais Juan, il a disparu d'un coup, quoi, là. Non, il est non, il est rentré au coiffeur. Ah. Tu l'as pas vu? Non, mais tu penses avec l'uniforme, je vais trouver ma femme? Mais de fou! Mais Roya, je rêve de te voir en pompier, Roya. Ça va être une dinguerie. Tu penses? Mais Roya, aller secourir des chats et tout, c'est qui compte des chats? Après, Zama, la meuf, elle sera par la fenêtre, elle va dire: oh là là, viens m'aider, monsieur! Bah oui, au secours! Et après, moi, je vais ramener l'échelle. Moi, après, je vais ramener l'échelle, je vais monter torse nu, je vais être branlèse. Après, elle va dire: oh là là, t'es trop mignon! Mais c'est ça. T'as raison. Ouais, Roya. Donc vas-y, bah je pense que demain ça va le faire en vérité. Secrétaire général, Aztecas, Mara. Attends. Aztecas, c'est moi. Allez, active-toi, t'es pas efficace ce soir, hein, je trouve. Hein. Mais là, je suis en train de m'endormir, boy. T'es en train de dormir. Attends, comment ça je suis pas efficace, ta chère? J'ai passé au moins 6 appels, y'a personne qui me répond. Tu crois quoi? Pourquoi tu cries? Tu sais que crier est une preuve de faiblesse, tu le sais ça ou pas? Oh bah lui alors il est terriblement faible alors. Ta gueule. T'as pas de torticolis ping ping comme ça? C'est pour pas avoir mal aux cuisses. Aux cuisses? Mais t'as mal au cou là? Boy, je peux rien faire. Non, c'est boy. Parce que en fait quand je pense, du coup ça me fait moins mal à l'autre couille. Venez, on va directement dans leur quartier. À qui? À Omara et aux Aztecas. Vas-y ping ping, viens. Ah ok, je viens. Vas-y ping ping. Ouais, attends, elle va taper contre le carreau par contre. Non, je mets mon épaule sur Kefta. Vas-y viens, Roya. Et donc Kefta et Ping Ping, maintenant ils font des business ensemble, c'est ça? Voilà. Non, regarde, je vais. Non. C'est pas des business. C'est que. Vas-y, quoi? La survie. Vente la cocaïne. Voilà, c'est de la survie. Voilà. Ouais. Mais tu sais que Kefta, si tu continues comme ça, tu vas finir comme mon oncle, là. Non, jamais de la vie. C'est pas sûr que quelqu'un va venir te libérer parce que moi mon oncle. Jamais de la vie, je deviens prisonnier un tolard. Moi mon oncle, je vais le libérer de prison. Ouais, c'est pas un tolard, hein, son Bah si, il est enfermé en prison, je veux dire, il est un tolard. Non, c'est le chef de la prison. Il y a le luxe là-bas, attends, mais tu sais qu'attends. Il touche plus de femmes que les gardiens. Attends. Par contre, genre, premier degré, pour être chef d'une prison, faut tuer des gens. C'est-à-dire, il a tué des gens pour être là. Non, il a pas tué des gens ont tué pour lui. Oui, voilà, bah. Oui, c'est un réflexe, c'est normal. Mais excuse-moi alors. Ah oui. J'ai pas dit dans l'ordre. Bah oui. Et toi, attends, Kefta, tout à l'heure, t'as dit devant les familles, meurtre. Pourquoi meurtre? T'as fait quoi? Ah, c'était dans la. C'était dans... En fait, tu vois, dans la prison. Oui. Il y avait un pote à moi, il s'appelait le Chapelier. Le Chapelier? Ouais, le Chapelier. Ou le Chamelier? Non, ouais, le Chamelier. Non, celui qui s'en conseille les vins, ça. Non, le Chapelier. C'est quoi? C'était une rapace, t'as un rapace. Et genre, vous le dites à personne, et il m'a dit de planter un familier en prison. Oh. Mais c'est allé. Et tu l'as tué? Ouais, sans faire exprès, je l'ai tué. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout à l'heure aux familles? Mais je vais pas dire que j'ai tué l'un des leurs, je t'en prie. Mais ils t'auraient respecté de fou. Au contraire. Ah ouais, attends, je les appelle. Ah ouais, frère. Ah bah regarde, ils sont là. Regarde, ils répondent pas. Ils sont où? Là à gauche. Non, pas les familles, t'inquiète pas, stress pas. C'est qui ça? Allô. Ah, c'est qui ça? Hola, ouais. Hermanos. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ça va, vous allez bien? Hola, Hermanos, ça va? Ah, vous êtes, ça, vous êtes, de, hola, vous hola. Êtes des maras, c'est ça? Oh, ouais, mais je te connais, toi. Ouais, mais oui, ça. Mais c'est Mikla, non? Bah ouais, mais c'est. Ça va, t'as changé, toi? Ouais, attends, vous connaissez en prison? J'ai rentré à Poudlard, ou quoi? Je cherchais une meuf, en fait. On cherche une meuf. Ouais, pour les papiers, les plateaux, ça. Et ils m'ont dit, les Américains, ils chopent des meufs comme ça. Comme ça? Ok. C'est qui t'as raison. Bah, c'est René, elle m'a dit ça. On vient avec Tony, les mecs, il va vous parler, mais je sais pas, il fait le timide là, je crois, il a peur de vous. Vous êtes trop impressionnant. Ouais. Vous avez Tony? Ouais. Ça va quoi, les mecs? Ça va trop bien. Du coup, Miklo, t'as ce que tu m'as dit au téléphone ou pas? Deux. Ah oui. C'est vrai. C'est qui Miklo? C'est lui. Qui? Lui là? Bah ouais, tu fais chez Juan. Non, je suis devant toi. Mais à ce qui paraît, tu fais chez Juan. Juan. Ouais, ouais, normal. C'est le fils du Ah bien sûr, le réfé alors, ça dit quoi? Ça dit quoi, le réfé là, il dort, il se repose un peu. Comment ça il dort, Juan? Il était dans le hab, c'est en prison. Et Segundo, il est pas là, Segundo. Il dort.
Non, voilà. On est tous sortis là, tranquillo là, c'est bon. C'est ah, le réfé il est sorti. Mais tout le monde, tout le monde. Ouais, je sais pas, Rouen, il me dit son père il est encore en prison. Mais en vrai, il l'écoute pas lui aussi, en vrai, c'est une poucave, et en même temps, il est comme mal. Comment ça, c'est une poucave? Il est sorti, le réfé. Bah vas-y Tony, vas-y, je sais pas, pourquoi tu devais aller voir, je me rappelle. C'est moi qui devais aller voir. Ah, c'est pas oui, moi. C'est par rapport au billet, je sais pas moi. Quoi là. Ouais, c'est ça, ah, c'est ouais. Ça. C'est vrai, j'ai dit que je te donnais un billet. Ah, tu me l'as dit, mec, là. Hein. Tu veux pas mettre dans un endroit un peu plus calme, là. Mets-leur un coup de pression. Attends, mais viens, on va aller plus loin. Oui, mais Claude, ah, ça marche. Merci. Vas-y, capitaine, on est en blessant. Si t'as besoin d'aide, tu m'appelles, hein. Ah non, t'as pas mon numéro de pommage. Ah, c'est quoi, tu m'as ramené quoi comme guignol, là? Je sais pas, mais c'est moi, c'est Tony, c'est lui, il m'accueille dans cette ville. Enfin, il a pas trop le choix de m'accueillir, mais. Attends, vite fait. De quoi? D'où j'arrive. Vas-y. Viens voir. Oui. En vrai, je vais te passer 5000 d'argent. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Et après, la suite, en vrai, j'attendrai les vraies infos. C'est bon ouais, pour toi, vas-y, c'est parfait pour moi. Vas-y, par contre, 5000 en petite coupure, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, vas-y. Vas-y, ça marche, j'arrive, je... Vas-y. Oh, là, on va se faire 5000$, là. Elle est belle, non? Prêtre? T'es prêtre ou quoi? Du coup? Tu fais quoi, pourquoi? Il va me ramener de l'argent en petite coupure. Ah ouais. Discret. Oh la pose de Sigma Mal. J'ai jamais touché autant. Combien? 5000$. Waouh. Tu dis hein? T'es mal les bâtards. Vas-y, je te blanchis. T'es mal les bâtards. Attends, y'en a, il s'est fait. T'as dit quoi? Oh, 5000$. Je te blanchis l'argent si tu veux. Comment ça? Bah, les 5000 qui vont être passés. Tu prends un match, tu pourras le déposer à la banque. Ah, vas-y. Discret. Ouais, mec, alors, ça va? Tranquille. On est posé au calme, mais vas-y, je vais pas te mentir. Attends, viens. Ouais. Moi, je te donne une bonne info pour toi, parce que tu m'as donné de bonnes infos. Oui, vas-y. La personne qui est là fait très gaffe à elle. Qui? Tony. Ouais. C'est un pote. Tony, je t'aime bien en vrai, mais tu parles beaucoup, hein. Comment ça, je parle beaucoup? Ça, c'est fini tout ça, le nombre de fois vous m'avez soulevé, j'ai compris la con, les gars. Non, mais est-ce que je t'ai déjà soulevé? Je dis des vérités, là. Il y a des antécédents. Oh ouais. Ah ouais, y'en a. Non, il a perdu ses cheveux. Il les a retrouvés. Mais ça remonte à quand? Longtemps. Ah, voilà. J'ai une petite photo encore de toi. Vas-y, on ça date les mecs, ça date. Eh, putain, il s'est fait braquer par les petits des maras, ils leur ont volé son goûter à Tony Mskey. Ta gueule, c'est bon. Voilà, il jouait les gros coups. C'est qui ton Romano, c'est qui là? Il était déjà là lui aussi là. De quoi? Toi aussi t'étais déjà là toi. J'étais déjà là quoi? T'es déjà fait braquer non? Mais frérot, j'étais dans votre quartier pour acheter de la coke, vous me braquez. Ah, c'était pour acheter de la coke, c'est pas faux. Bah ouais. Ah ouais, non, c'est parce qu'en vrai, t'étais avec Tony, c'est pour ça. Et bah du coup, ouais. En vrai, t'es là avec lui, tu vois. Voilà, vu que je suis là, vous me braquez, normal. Mais en fait, vous m'avez pris pour. En vrai, t'es avec lui. C'est ça, en fait. Bah ouais, normal. Non, en fait, vous l'avez braqué. Non, mais les gars, je pense qu'on devrait tous. Ouais, on l'a braqué et toi, t'étais avec. Putain, j'ai pas encore touché mon oseille, les gars. Faut tréper. Non mais les gars, le jour de la descente du trafic de trucs là dans votre labo là. Descente. La descente là, ouais, je pense. Le mec il veut que son oseille. Il y en a tellement. Le soir là, on était avec votre effet, il voulait pas défendre le laboratoire. C'est nous qui l'avons motivé. Je lui ai passé deux cocktails Molotov. Ouais, le mec que t'as braqué, c'est normal. Le petit que t'as braqué, il revient pour te mettre dans la tête. Est-ce que vous êtes pas au courant de tout? Vas-y, mais je t'attends en vrai. Mais c'est bon, je t'attends alors. Vas-y les gars, les Armano, préparez-vous, il va tout seul me la mettre. De quoi? Mais non, il a pas dit ça, Quoi, 3v3? Non mais il a dit ouais, genre... Maintenant, le chinois, l'oublie, le chinois. Allez, c'est parti, allez. Vas-y. Ok. Mais vous voulez pas que vous veniez, là? Non, eh, t'es quoi? Tenue pyjama cabron, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Tenue caillou. Allez, c'est parti, allez, cabron. Eh, milieu de la route, rien à foutre. Pimpin, tu vas faire l'arbitre. Vous êtes à la bête! Si nos vêtements ils sont arrachés, tu les recoues! Le mec s'est écrasé! Range ton couteau, range ta lame, range ta lame! Ouais, pas la lame, pas la lame, les gars! Pas la lame! Pas la lame! Bande de salopes! Ouais, c'est vrai, t'as raison! Comme des hommes, c'était la caillée! Mettez-vous face à nous! Viens, qui pense que je vais tomber? Mettez-vous sur le trottoir et nous on est sur notre trottoir, ok? Qui pense que je vais tomber? Panique! Non, le chinois en vrai c'est mort, il va. Salope! Voilà, c'est bon là maintenant? C'est mort! Voilà, salope! 4 contre 4! Vous êtes prêts, c'est bon? Ouais, c'est prêt. Clairement, je suis pas prêt. Allez de l'autre côté du trottoir, direct.
Alors là. Tu l'as remis à coup de pression. C'est bon. Vous êtes prêts? Oui, l'hermano, wesh. Let's go! Let's go! Bien. Je vais être le premier. Regarde, ils sont 3 sur moi. Non, mais c'est une dinguerie. Oh la bêche, bêche, bêche. Je suis pas tombé. Je suis pas tombé. Je suis pas tombé. Ah, mais joué. Mmh. Oh, quel tableau l'autre. Vas-y, comme ça. Vas-y, vas-y. Voilà. Ouais, ça va. En vrai, ça va, ça va, en vrai, ça va. Et putain, il a... Le pire, c'est que c'est lui qui me met au sol. C'est Tony qui me met au sol. Je t'ai goumé. Vas-y, avance. Je t'ai goumé ta grand-mère. Mais c'est ça, t'es crasant. Appelez l'hôpital, appelez l'hôpital. Ah, ouais, appelez l'hôpital. Appelez l'hôpital, appelez. Ping ping, tu te défends bien. Ping ping, mais bah c'est normal, c'est un chinois. Ah, c'est pour ça qu'il voulait pas qu'il joue. Ta merde. En fait, t'as réveillé la sorte du dragon là. Là, c'est là, t'es tout donné là. Prenez une photo, prenez une photo. On prend photo, on prend photo. Je vais vous envoyer une photo. Une position, il y a des PC. Allez, bata. Il y a 4 PC. Ouais, bien. Putain, mon chapeau. Eh bah, les bâtards, ils prennent des photos. Pourquoi je peux pas prendre la photo? Faut que je sois dans ce sens là, genre. En vrai, ils sont bien défendus, hein. Ils ont pas perdu le cojones, hein. Ouais, j'avoue, hein. Forcément. Mais y'a beaucoup de sang quand même, hein. Mais... Non. Attends, fais une pause, ah, je ça marche pas. Chauffe. C'est incroyable, attends, je te l'envoie. Wouah. Les gars, vous êtes trop fort, hein. Mathieu, t'en as couché 3. Non, j'ai fini le travail. C'est tout, hein, je suis un finisseur. Vraiment, je sais pas. Ah ouais, ça, c'est cool. Je suis un finisseur, les mecs. La photo, je vais l'envoyer au chef Mara. Je suis un finisseur, les mecs, c'est tout. Non, on voit pas, clairement, c'est pas bien. Si t'envoies ça au chef Mara, il va. Non, c'est pas bien, on voit pas. Il va soulever Mathieu, pas moi, j'ai rien fait. Putain, t'es mort. Mais quoi? Mais j'ai rien fait. Mathieu. Il t'a passé l'argent ou pas, putain? Non. Ah merde. Bah je crois que tu peux t'asseoir dessus, hein. Ah ouais. On est ensemble, Mathieu. Ah, je peux regarder tes poches vite fait, Miklo? Non, tu regardes pas. C'est pas un fameux dans la massoire, là. Bah vas-y, les mecs, venez, on va à l'hôpital. Vas-y, portez à vous, les mecs, hein. J'ai pas eu mes 5000. C'est bon, on te passera l'argent, viens. Eh, hey, Miklo, moi, j'ai rien payé, c'est eux. Bah attends. Tu vas voir, toi. Eh hey, les gars, c'était 4 contre 4 à la loyale, tranquille, hein. C'était bien. T'as dit quoi? Vas-y, prends des vitamines après. Quelqu'un peut me dire depuis quand, longtemps, Kefta? Ça fait combien de temps, chat, Kefta, on l'a repris là? La prochaine fois, excepté c'est nous le RP prison. C'est nous qui vous mettons au sol. Voilà. Vas-y, c'est à qui la béquille là? Y'a un mec qui s'est battu en béquille? J'ai même pas récupéré. C'est à qui la béquille? C'est à qui la béquille? C'est à vous, les gars? Miklo, c'est moi, j'ai appelé les ambulances, ils sont là! Ils sont là. Miklo! Il a écrasé. Parce qu'il a entendu pas. Ouais, on rigole, mais on est dans la merde là, les boys, on est en fait. Mais regarde, donc là, on est dans la merde. Non, 4 c'est contre 4, un combat à la loyale, on les a niqués. C'est à la loyale, mais chacun de notre côté. Les gars, je fais comment moi pour l'argent? C'est bon, on te les passera. Ok, c'est quoi? C'était 15 000, c'est ça? C'est bon. Ouais, non, ouais, c'était 15 000, ouais. C'est vas-y, bon en plus. Nickel, c'est bon. C'était 15 000. Bon, rappelle, vas-y, vraiment. On te les passe. Comme si c'était hier. C'était hier? Non, je me rappelle comme c'était. C'est quoi la photo? Attends, Astekas. Ah putain, ouais. Mais tu sais que depuis tout à l'heure je passe des coups de fil, y'a personne qui me répond. Bah si, faut aller dans leur quartier directement. Eh bah vas-y, go, on va voir les Astekas. Je t'ai dit, on est arrivé, ils étaient là. Oh non, tu peux m'appeler s'il te plaît? A chaque fois j'ouvre une photo, ça me fait ça. Ouais, parce que c'est des nudes. Ah, c'est bon, non, c'est bon, pas besoin de m'appeler. Attends, on doit revoir les voitures ça. C'est quoi comme voiture? Komoda, non? Je sais pas du tout, c'est pas ma voiture. Mais je crois que c'est une Komoda. Ça, Komoda, c'est ouais. Cypher, non? Ah, ok. Ouais, Komoda, ouais. Je crois que c'est une Komoda, ouais. C'est ma Komoda, ça. Elle est bien. T'as dit quoi, Tony? Les F4L, ils veulent voir Mouloud. Ah ouais? Vas-y. Mais ouais, ils veulent te voir. Ah, peut-être qu'ils veulent te demander un service, à mon avis. Ouais. Qu'ils ont dit ils m'ont Pookie pour le truc en prison. Voilà. Je crois, ouais. On m'appelle les OG, hein. Mais pourquoi ils veulent me voir? Parce que t'avais un service à leur rendre. Là, il y a des ah vrais oui, gangsters. C'est vrai, t'as raison. Eh oui. Pourquoi les bleus, c'est pas des vrais gangsters?
Incroyable, on les a couchés avec les gangsters. Ouais, là, c'est des vrais gangsters. Non, c'est des gangsters, c'est ou pas les plus gros bleus. Gangsters, et c'est... C'est... Les familles, ils ont... bah, les familles, ils sont fait tuer par les vagos, hein. Les vagos, ouais, ils font peur. Les vagos bah, ouais, ils les ont défoncés, hein. Ils ont défoncé à quoi?